Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Semaine des mathématiques 2018, mathématiques et mouvements. Dernière vidéo de cette série. Dans cette vidéo, nous allons aborder un problème dont je suis le héros et Cédric Villani. Cédric Villani, mathématicien célèbre, qui est médaillé Fields en 2010, sera un des protagonistes. Alors, d'où est venue l'inspiration pour ce problème? J'ai regardé cette vidéo, Enquête du M 2015, donc Cédric Villani vous pose un problème de mathématiques. Enquête du M, c'est les enquêtes dans le métro parisien, donc les enquêtes faites en collaboration avec la RATP. Donc ça s'est déroulé en 2015. Et dans cette vidéo, Cédric Villani nous parle des stations de métro en général, et il nous pose le problème suivant. Quelle est la probabilité que nous rencontrons Cédric Villani dans la ligne 14 dans le métro parisien au moins une fois dans l'année? Alors, de cette vidéo, j'ai créé un scénario pour un problème dont voici l'énoncé. À la rencontre de Cédric Villani dans le métro parisien. Problème pour la semaine des mathématiques 2018, mathématiques et mouvements, posté sur http://youtube.cbmath.fr. Le problème. Introduction. Je m'appelle Clément Boulogne et il m'est arrivé quelque chose de pas banal. Un jour, je découvris une vidéo qui allait changer ma vie. Une vidéo d'un mathématicien célèbre, Cédric Villani, médaillé Fields 2010. Alors, je me suis mis en quête de rencontrer Cédric Villani dans le métro parisien, ligne 14. Voici mon histoire. Partie A, choix d'un nombre aléatoire. Au début de mon expérience sociale, je dors dans un hôtel à Paris, intramuros. Chaque matin, juste après mon réveil, je tire au hasard un nombre U entre 1 et 10. Et je décide la nuit suivante de dormir dans un hôtel dans la 8e plus grande ville de France en termes d'habitants intramuros. En 2018, les 10 plus grandes villes de France sont Paris, 2 125 851 habitants, Marseille, 787 491 habitants, Lyon, 445 274 habitants, Toulouse, 390 301 habitants, Nice, 343 123 habitants, Nantes, 270 343 habitants, Strasbourg, 263 941 habitants, Montpellier, 225 511 habitants, Bordeaux, 215 374 habitants, Rennes, 206 194 habitants. Question 1. Déterminer la loi de probabilité de U. Question 2. Quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel à Paris la nuit suivante? Question 3. Quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel à Marseille la nuit suivante, sachant que j'ai dormi dans un hôtel à Paris cette nuit? Question 4. Quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel de la PM ville la plus grande de France avec 1 inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 5? Alors, première partie. Question 1. Donc, question 1. Déterminer la loi de probabilité U. Donc, U, on tire au hasard un nombre entre 1 et 10. Uniformément, dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, etc., 10, donc les 10 premiers entiers, on va tirer un nombre au hasard dans cet ensemble. Donc U suit la loi uniforme sur l'ensemble 1, 2, etc., 10. Ainsi, la probabilité que U soit égale à un nombre compris entre 1 et 10, donc U est égal à A, avec A compris entre 1 et 10, est égale à 1 dixième. Deuxième question, quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel à Paris la nuit suivante? Donc, quelle est la probabilité que je tire le numéro 1 qui me fera dormir à Paris la nuit suivante? Ainsi, la probabilité que U soit égale à 1 est égale à 1 dixième. Quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel à Marseille la nuit suivante, sachant que j'ai dormi dans un hôtel à Paris cette nuit? Alors ici, on va pouvoir noter. Donc on va noter, on note UK, la variable aléatoire qui prend en valeur le numéro tiré au kème tirage.
Donc le tirage du matin. Et UK plus 1, donc c'est le numéro tiré au K plus 1e tirage. Ainsi, on va calculer la probabilité suivante. Donc la probabilité que UK plus 1 est égal à 2, Marseille étant la deuxième plus grande ville, sachant que UK est égal à 1. Sachant que UK est égal à 1. Alors si on fait un arbre de probabilité, donc on aura UK, UK plus 1, donc on aura 10 branches ici, etc. Et là on aura 10 branches pour une branche comme ça, donc là ça va faire 1, 2, 3, etc., 10, 1, 2, 3, etc., 10. Et donc quelle est la probabilité de tirer un des nombres parmi les 10? Eh bien c'est 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, et ici on aura 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième. Donc, probabilité que UK plus 1 est égal à 2, sachant que UK égale à 1, donc c'est la probabilité que UK égale à 1, et, donc UK égale à 1, et UK plus 1 égale à 2, sur la probabilité de la condition, probabilité que UK est égal à 1. Donc ça c'est égal à, donc probabilité que UK égale à 1, ici, et UK plus 2 est égal à 1. Et UK plus 1 est égal à 2. Donc on est ici. Donc 1 dixième fois 1 dixième. 1 dixième fois 1 dixième. Sur la probabilité que UK est égal à 1. Sur 1 dixième. Donc on peut barrer 1 dixième. Et donc il va nous rester 1 dixième. Donc la probabilité que UK plus 1 est égal à 2. Sachant que UK est égal à 1. Eh bien ça reste 1 dixième. C'est égal à la probabilité que UK plus 1 est égal à 2. Quelle est la probabilité que je dorme dans un hôtel de la PM plus grande ville de France? Alors, probabilité que U soit compris entre 1 et 5. Eh bien, c'est la probabilité que U est à 5, plus la probabilité que U est à 2, plus la probabilité que U est égal à 3, U est égal à 4, plus U égal à 5. Or, les probabilités sont les mêmes, c'est 1 dixième à chaque fois, donc 1 dixième plus 1 dixième plus etc. plus 1 dixième, 5 fois, et donc c'est égal à 5 dixièmes ou encore 1 demi. Alors, une autre façon de calculer ceci, probabilité que 1 inférieur à U inférieur à 5, eh bien c'est 10 moins 1 plus 1, 5 moins 1 plus 1, et donc, ici, on va trouver 5 dixièmes égale 1 demi. Donc la probabilité que je dorme dans un hôtel de la PM plus grande ville de France est égale à 1 demi. Partie B, expérience sociale sur une semaine. D'après la vidéo, Cédric Villani prend le métro en moyenne 3,5 fois par semaine. Je répète l'expérience de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 10 chaque jour pendant une semaine. Je note x, la variable aléatoire qui prend en compte le nombre de jours dans la semaine où je dors et donc suis sur Paris pour la journée. Question 1. Déterminer la loi de probabilité de x. Question 2. Quelle est la probabilité que je dorme 4 jours dans un hôtel à Paris? Question 3. Quelle est la probabilité que je dorme au moins une fois dans un hôtel à Paris pendant cette semaine? Alors, donc Cédric Villani prend le métro en moyenne 3,5 fois par semaine. Donc, il dit entre 3 et 4 fois par semaine. Alors on va prendre x, la variable aléatoire qui prend en compte le nombre de jours où je dors et donc je suis à Paris pour la journée. Donc on a 1 dixième de chance de tirer le numéro 1 pour dormir à Paris. Et donc ici x, donc première question, x suit la loi binomiale. On répète 7 fois, donc dans la semaine 7 jours, 7 fois cette expérience. Et on a 1 dixième de chance de tirer le numéro 1. Donc x suit la loi binomiale de paramètre 7 et 1 dixième. Quelle est la probabilité que je dorme 4 jours dans un hôtel à Paris? Donc c'est la probabilité que x soit égal à 4. Formule binomiale de la loi binomiale.
combinaison 7-4 fois 1 dixième puissance 4 fois 9 dixièmes, donc 1 moins 1 dixième puissance 4 moins 3, 7 moins 4, 3. Combinaison 7-4, donc 7-4 fois 1 dixième puissance 4 fois 9 dixièmes puissance 3. On va trouver 0,025, donc 26 si on arrondit, donc 0,0026. Donc la probabilité que je dorme 4 jours dans un hôtel à Paris est de 0,0026. On peut vérifier ça avec probabilité, donc ici 7 1 dixième, et donc la probabilité que ce soit égal à 4, eh bien c'est 0,002552. Quelle est la probabilité que je dorme au moins une fois dans un hôtel à Paris pendant cette semaine? Au moins une fois, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Donc c'est probabilité que x égale à 1, plus, etc., etc. Mais on va pas le calculer comme ça, on va prendre la probabilité contraire. L'événement contraire de x supérieur à 1, c'est x strictement inférieur à 1. Or la variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres 7 1 dixième prend des valeurs entre 0 et 7 en nombre entier, bien entendu, valeur entière. Donc x supérieur ou égal à 1 égale à 1 moins probabilité que x soit strictement inférieur à 1 ou 1 probabilité que x soit égal à 0. Probabilité que x égale à 0, et bien c'est 1, combinaison 7, 0, 1 dixième puissance 0, 9 dixième puissance 7. On calcule. Binomial 7, 0, 1 dixième fois 1 dixième puissance 0, fois 9 dixième puissance 7. On va trouver 0,4748. Donc 1 moins 0,478. Ou encore 0, donc 1 moins 0,478. 1,522. La probabilité que je dorme au moins une fois dans un hôtel à Paris pendant cette semaine est de 0,522. Partie C, prendre le bus. Inspiré de la fiche TD Intégration et probabilité élémentaire faite par l'équipe pédagogique dirigée par Charles Suquet. Je suppose que pour la journée, je suis sur Paris. Pour me rendre à la station Châtelet, sa station fictive où se rend habituellement Cédric Villani pour prendre le métro, je dois prendre un bus. Je sors un instant au hasard entre 7h et 7h30. Je peux prendre le bus de 7h15 ou celui de 7h30, qui me dépose 5 minutes plus tard à la station Châtelet. Mais comme la station de métro n'est qu'à 10 minutes de marche de mon hôtel, je préfère y aller à pied si le temps que je dois passer à attendre le bus est supérieur à 5 minutes. On note Y mon temps de trajet entre mon hôtel et la station de métro Châtelet, et Z le temps qui s'écoule entre l'instant initial 7h et mon arrivée à la station de métro. Question 1. Donner l'expression et tracer le graphe des fonctions de répartition de y et de z. Question 2. Calculer la somme des probabilités que y est égal à y pour tous les y appartenant à R et la somme des probabilités de z égale à z pour tous les petits z appartenant à R. Ces variables aléatoires sont-elles à densité, sont-elles discrètes? Question 3. Lire sur les graphes les valeurs de probabilité p de y strictement inférieur à 5, P de Y strictement inférieur à 8, P de Y strictement inférieur à 10, P de Z strictement inférieur à 15, P de Z strictement inférieur à 20, P de Z strictement inférieur à 22, P de Z appartenant à l'intervalle 20-30 et P de Z est égal à 35. Question 4. En moyenne, combien de temps je mets pour rejoindre la station de métro et à quelle heure j'y arrive? Alors, partie C. Donc, on va prendre un bus à 7h15-7h30. On sort au hasard entre 7h et 7h30. Et ensuite,
Donc on va prendre le bus, soit on attend 5 minutes à l'arrêt de bus, ou une durée inférieure à 5 minutes, soit on va à pied à la station. Donc sinon, on va mettre donc 10 minutes pour aller à la station. Alors, avant de tracer les fonctions de répartition, donc fonction de répartition, je rappelle la définition ici. Donc on va adapter f de y, c'est t qui associe la probabilité que y soit inférieur à t. Et f de z, t, probabilité que z soit inférieur à t. Donc ça, on va calculer. Avant cela, on va faire deux graphes qui prend en valeur t, l'instant de sortie de l'hôtel. Donc t va valoir entre 0 et 30, donc 0 et 30, on va prendre que les minutes. Et donc à t associe la valeur de y. On va faire cela donc sur GeoGebra. Donc entre moins 1 et 30, entre moins 1 et 30, et on va dire entre moins 1 et 40 pour y. Baisser un peu. Voilà. Donc, si on sort à 7 heures, on va à pied, donc on va mettre 10 minutes. Donc y, c'est le temps de trajet entre l'hôtel et la station de métro Châtelet. Donc ici, y va valoir 10 minutes. 10 minutes, on va prendre le bus à 7h15. Donc si on sort à 7h10, on attend 5 minutes et on prend le bus qui va nous amener à 5 minutes de la station de métro. Et si on sort à 7h15, on va attendre 0 minutes et le bus va nous amener donc en station de métro en 5 minutes. Donc ici, on va tracer une fonction. Donc entre 0 et 10, on va marcher 10 minutes, donc 10, 0, 10. Ensuite, fonction. Donc entre 10 et 15, on va attendre le bus. Donc ici, attente de 5 minutes, attente de 0 minutes, et on fait un trajet de 5 minutes. Donc entre 10 et 15, ça va être une fonction affine. Donc si on suit, ça va faire moins x plus 20. Donc moins x plus 20 entre 10 et 15. Voilà. Ensuite, dépasser 15 minutes, on va devoir, donc on a raté le bus, on va devoir marcher pendant 10 minutes. Entre 15 et 25, le prochain bus est à 7h30. Donc ici, fonction, 10 entre 15 et 25. Et ensuite, fonction, la même chose, entre 25 et 30, on va faire moins x. Et donc ici, plus 35 entre 25 et 30. Donc voilà la fonction qui associe t, qui à t associe les valeurs de y. Donc vous voyez que y est compris entre 5 et 10. Donc c'est-à-dire que pour la fonction de répartition, la fonction va valoir 0 si t inférieur à 5, et la fonction va valoir donc 1 pour t supérieur ou égal à 10. Alors maintenant, la fonction t qui a t associe les valeurs de z, eh bien z, ça va être le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial 7 heures et l'arrivée à la station de métro. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter l'instant sorti, donc, par exemple ici 7h10, et on va ajouter la valeur y. Donc ici, on va pouvoir faire une fonction f de x plus x entre 0 et 10. Ensuite, g de x plus x entre 10 et 15. H de x plus x entre 15 et 25. Et p de x plus x entre 25
et 30. Donc vous voyez, donc on aura un palier pour la donc avec les valeurs de y ici et ici. Donc ça va se traduire, donc ici c'est la probabilité que y soit égal à 10. Et donc on a 10, 0, donc la probabilité, donc on va pouvoir calculer la probabilité que y égale à 10, donc c'est égal à, donc 10 moins 0, 25 moins 15, 10 moins 0 plus 25 moins 15, divisé par 30, donc la totalité de l'intervalle. 10 moins 0, 10, plus 25 moins 15, 10, 20 sur 30, 2 tiers. Donc c'est-à-dire que P de Y inférieur à 10, vous voyez qu'on a un seul palier, et après ça va, entre 5 et 10, ça va augmenter uniformément, entre 0 et P de Y inférieur ou égal à 10. P de Y inférieur strict à 10, et bien c'est 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc P de Y inférieur à 10, c'est 1 tiers. Donc, voilà. Alors pour la fonction de répartition, donc fonction de répartition f de y t, eh bien ça va être 0 si t inférieur ou égal à 5, inférieur strict à 5, 1 si t supérieur ou égal à 10, et une fonction affine qui passe par les points 5, 0, 10, 1 tiers. Donc fonction affine qui passe par les points 5, 0, donc la droite qui passe par 5, 0, et 10, 1 tiers. Donc si t compris entre 5, donc 5 inférieur strict, et t inférieur strict à 10. Donc, fonction, donc 0 si 0 compris entre 0 et 5, et 1, fonction 1 si on est à 10, 12. Donc on va faire plus voilà, que ça. Voilà. Et donc maintenant, on va tracer la fonction. On va tracer donc la fonction affine, la courbe représentative de la fonction affine. Donc c'est une droite, passant par les points 5, 0 et 10, 1 tiers. Alors pour cela, on va calculer A. Donc A, ça va être 1 tiers moins 0 sur 10 moins 5. 1 tiers fois 1 cinquième, 1 quinzième. Donc la fonction va s'écrire de la forme 1 quinzième de x plus b égale à y. En 0, ça vaut 5. Donc ici, 1 quinzième fois 5 plus b est égal à 0. B est égal donc à moins 5 quinzième, ce qui est égal à moins 1 tiers. Donc la fonction affine, alors avec la variable t, donc la fonction affine qu'il fallait trouver, eh bien c'est 1 quinzième fois t moins 1 tiers. Donc fonction 1 quinzième, donc x sur 15, moins 1 tiers entre 5 et 10. Voilà, et on voit un saut, donc la fonction n'est pas continue, on voit un saut ici de 1 tiers à 2 tiers en x égale à 10. Voilà pour la fonction de répartition de y, représentative de la fonction de répartition de y. Alors maintenant on va faire donc f de z, et on va calculer les probabilités au palier. Donc probabilité, donc palier donc ici 10, 15, ça va valoir 20. Donc z égale à 20, ça va être 20 moins 15 divisé par 30, 5 trentièmes, donc ici 1 sixième. Probabilité que z soit inférieur strict à 25, bien si on a la moitié des valeurs, si on a la moitié des valeurs quand x inférieur ou égal à 25, donc ici ça va être 1 demi. Et probabilité que z soit égal à 35, eh bien c'est 30 moins 25 divisé par 30, 5
30e, gala, 1 sixième. Donc maintenant, f de z, donc la fonction de répartition de z, t, eh bien ça va être 0 si t, donc les valeurs de z c'est compris entre 10 et 35, 10 et 35, donc t inférieur strict à 10, donc ici 1/2 si t, donc si t 1/2 va être t compris entre 20 et 25, 20 inférieur ou égal à 5. Donc ici, une droite passant par les points 10, 0 et 20, 1 tiers. Une droite qui passe par les points 25, 1 demi. Et donc ici, jusqu'à 35. Donc 1 demi, donc 1 moins 1 sixième, ça va faire 2 tiers. Donc 2 tiers. Et donc ici 1 si t compris entre, donc c'est supérieur ou égal à 35. Et là c'est si t compris entre 25 inférieur ou égal et 35. Voilà. Alors, on va calculer les deux fonctions linéaires. Donc 10, 0 et 20, 1 tiers. Donc ici, A va être égal à, donc A va être égal à 1 tiers moins 0 sur 20 moins 10. 1 tiers moins 0, 1 tiers, fois 1 dixième, donc ça fait 1 trentième. Donc ici on aura 1 trentième de t plus b égale à y. Quand t est égal à 10, y va valoir 0. B est égal à 0 moins 10 trentième, donc moins 1 tiers. B est égal à 1 tiers, donc là la fonction c'est ici 1 trentième de t moins 1 tiers. Donc maintenant, fonction 25, 1/2 jusqu'à 35, 5 sixièmes. Donc ici, A égale à donc 1/2, 5 sixièmes moins 1/2 sur 35 moins 25. On va avoir donc ici 10. 5 sixièmes moins 1/2, donc 5 sixièmes moins 3 sixièmes, donc 2 sixièmes, 1 tiers, 1 tiers fois 1 dixième, 1 trentième. 1 trentième de t plus b est égal à y. Donc si y égale à, donc si t est égal à 25, 25 trentième plus b égale à donc 1/2. Donc b va être égal à 1/2 moins 25 trentième. On multiplie par 15, 15 moins 25 moins 10 trentième. Donc ici on aura moins 1 tiers. Donc ici 1 trentième de t moins 1 tiers. Alors on va écrire f de z. Donc f de z de t est égal à donc 0, 1 trentième de t moins 1 tiers, 1/2. 1 trentième de t moins 1 tiers, 1. Donc là, si t inférieur ou égal à 5, si inférieur ou égal à 10, si t compris entre 10 et 20, si t compris entre 20 et 25, si t compris entre 25 et 35, et si t supérieur ou égal à 35. On va pouvoir tracer la fonction de répartition, donc axe. Voilà. On met un peu plus trafic. 40.
Donc, fonction 0, 0, 10, fonction moins 1 tiers, moins 1 trentième fois x, 1 trentième fois x moins 1 tiers, moins 1 tiers entre 10 et 20, entre 20 et 25 c'est 1 demi, 1 demi, donc fonction 1 demi entre 20 et 25, 1 tiers, donc fonction 1 trentième fois x plus moins 1 tiers entre 25 et 35, fonction 1 entre 35 et 40. Voilà. Voici donc la fonction de répartition, donc la courbe représentative de la fonction de répartition de z. Alors, calculer la somme des p de y et p de z, donc somme de y appartenant à R, de p de y égale à y. Donc ici, on reprend la fonction de répartition de y. Et en fait, la somme des p de y égale à y, c'est la somme des sauts de la fonction. Donc ici, p de y égale y, c'était p de y égale à 10. Il n'y a qu'un seul saut dans la fonction de répartition. Et donc ce saut-là vaut 2 tiers. Donc p de y, la somme de y appartenant à R de p de y égale à y, eh bien c'est p de y égale à 10, donc c'est égal à 2 tiers. Somme de z appartenant à R de p de z égale à z. Donc pareil, somme des sauts dans la fonction de répartition de z. Donc il y en a un là, un là, et on avait dit que c'était 1 sixième, 1 sixième. Donc 1 sixième plus 1 sixième, c'est 1 tiers. Est-ce que ces variables aléatoires sont-elles à densité? Non, elles ne sont pas à densité, car les fonctions de répartition ne sont pas continues. Sont-elles discrètes? Non plus, car la somme des sauts n'est pas égale à 1. Donc, les variables y et z ne sont ni à densité, ni discrètes. Alors, on va calculer p de y égale, inférieur ou égal à 5. Donc, p de y inférieur ou égal à 5, c'est f de y de 5. Donc, f de y de 5... On est ici, donc c'est 0. 0. P de y inférieur à 8. Donc c'est f de y, 8. 1 quinzième fois 8, moins 1 tiers. 1 quinzième fois 8, moins 1 tiers. Quinzième, moins 5 quinzième. 8 quinzième, moins 5 quinzième. 3 quinzième. On divise par 3, 1 cinquième. Donc la probabilité que y est inférieur à 8 est de 1 cinquième. P de y inférieur à 10, on l'avait déjà calculé, c'est 1 moins 2 tiers égale à 1 tiers. Alors, probabilité que z soit inférieur à 15, strict. Eh bien, c'est f de z, 15. On se trouve ici, 1 trentième fois 15 moins 1 tiers. 1 trentième fois 15 moins 1 tiers. 1 demi moins 1 tiers. Donc ça va faire 3 sixièmes moins 2 sixièmes, 1 sixième. Donc la probabilité que z soit inférieur à 15 est 1 sixième. Probabilité que z soit inférieur à 20. Donc on est ici. On est, non, ouais, inférieur strict à 20, on est ici. Donc 1 trentième fois 20 moins 1 tiers. Donc ça c'est f de z de 20. Bien, ça fait 2 tiers moins 1 tiers, c'est égal à 1 tiers. Alors, P de Z inférieur à 22, strict, F de Z de 22. Donc on est ici, donc ça va faire 1 demi. P de Z appartenant à 20, 30. Et bien, donc, probabilité que Z appartient à 20, 30, c'est la... Donc c'est f de z 30 moins f de z 20. Donc f de z 30, ça va être 1 trentième fois 30 moins 1 tiers. 1 trentième fois 30 moins 1 tiers moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc 1 moins 1 tiers moins 1 demi. 1
moins 1 tiers, ça va faire 2 tiers, moins 1 demi. Donc ici, on va multiplier par 2, 4 sixièmes, moins 3 sixièmes, donc c'est égal à 1 sixième. Donc la probabilité que z soit appartient à 20, 30, c'est égal à 1 sixième. P de z égale à 35, et bien on l'avait calculé, c'était 1 sixième. Alors en moyenne, combien de temps je mets pour rejoindre la station de métro et à quelle heure j'y arrive? Donc espérance de y. Et espérance de y, si on le fait graphiquement, et bien c'est cette R là. Tout ça, eh bien c'est espérance de y. Donc espérance de y, intégrale entre 0 et 10 de la fonction de 1 moins la fonction de répartition. Donc ici, donc 1 moins f de y de t, c'est ici c'est 1, ici ça va être 0. Donc là on aura moins 1 quinzième de t plus 4 tiers. Plus 4 tiers, pourquoi? Parce que moins, moins 1 tiers ça fait 1 tiers, plus 1, 4 tiers. Donc l'intégrale entre 0 et 5 de 1 dt, donc là on utilise la relation de Chal, plus l'intégrale entre 5 et 10 de moins 1 quinzième de t plus 4 tiers de dt. 5 plus l'intégrale entre moins 1 quinzième t au carré sur 2 plus 4 tiers de t entre 5 et 10. Donc ici on aura 5 plus donc moins 1 trentième, donc moins 100 sur 30 plus 4 fois 10 40 tiers plus 25 trentième moins 20 tiers. On calcule 5 moins 10 100 trentième plus 40 tiers plus 25 trentième moins 20 tiers. On va trouver 9,16. Donc ici 9,16. Donc en moyenne je mettrai 9,16 minutes pour rejoindre la station de métro. E de z, donc même calcul. Intégrale entre 0 et 35 de 1 moins f de zt dt. Donc l'espérance de z, c'est l'intégrale entre 0 et 35 de 1 moins la fonction de répartition de z, avec la fonction de répartition de z reprise ici. Alors, 1 moins f de z t, eh bien c'est égal à 1 si t est inférieur ou égal à 10. Alors si t est inférieur strict à 10, alors si t est strictement inférieur à 10. Alors ici, moins 1 trentième de t plus 1 tiers plus 1, donc ça va faire 4 tiers plus 4 tiers. Si, donc on répète la deuxième condition, 1 moins 1 demi, 1 demi. Ensuite, c'est la même fonction, donc ça va être moins 1 trentième de t plus 4 tiers, la même condition. Et 0 si t inférieur ou égal à 35. Donc maintenant l'intégrale se calcule de la manière suivante. E de z, donc on utilise la relation de Chal. 0, 10, 1 dt, plus 10, 20, donc l'intégrale entre 10 et 20 de moins 1 trentième de t, plus 4 tiers dt, plus l'intégrale entre 20 et 25 de 1 demi dt, plus l'intégrale entre 25 et 35 de moins 1 trentième de t, plus 4 tiers dt. Alors cette intégrale, c'est t entre 0 et 10, donc 10 moins 0, ça va faire 10. Ici, cette intégrale, c'est 1 demi fois t entre 20 et 25,
Donc 25 demi moins 20 demi, donc plus 5 demi, plus, donc la primitive ici, moins 1 trentième de t au carré sur 2, t au carré sur 2, plus 4 tiers de t, entre 10 et 20, plus intégrale entre moins 1 trentième t au carré sur 2, plus 4 tiers de t entre 25 et 35. Alors 10 c'est 20 demi, plus 5 demi, 25 demi, plus, donc ici cette intégrale, moins 1 soixantième, t au carré, 20 au carré sur 60, donc moins 20 au carré sur 60, plus 4 fois 20, 80 tiers, plus 10 au carré sur 60, moins 40 tiers, plus, la même chose, moins 35 au carré sur 60, plus 4 fois 35, 140 sur 3, plus 25 au carré sur 60, moins 100 sur 3. Donc 7 égale à 25 demi, plus, donc, moins 20 au carré sur 60, plus 80 tiers, plus 10 au carré sur 60, moins 40 tiers. On va trouver 25 tiers, en plus 25 tiers, plus moins 35 au carré sur 60, plus 140 tiers, plus 25 au carré sur 60, moins 100 tiers. On va trouver 10 tiers. Alors maintenant, le calcul, on va mettre tout sur 6. Donc, fois 3, 75, fois 2, 50, plus fois 2, 20, sur 6, 70 plus 75, 145, 145 sixième, 145 sixième, ce qui nous donne 24,17, si on arrondit. Donc l'espérance de Z, c'est 24,17, et donc en moyenne, j'arriverai à 7h24, partie D, sondage, présence de Cédric Villani sur le quai. J'arrive à 7h35 à la station Châtelet, et dans ma quête de rencontre de Cédric Villani dans le métro ligne 14, j'interroge 15 personnes dans la rue qui ont aperçu Cédric Villani attendre le métro à Châtelet les jours précédents mon sondage. Voici les résultats de mon sondage. Question 1. Déterminer l'étendue de cette série statistique, interpréter le résultat. Question 2. Déterminer la moyenne de cette série statistique en prenant comme valeur de caractère le centre de chaque intervalle de temps. Interpréter le résultat. Question 3. En prenant en compte que j'arrive après 7h35 à la station Châtelet, déterminer la probabilité que je rencontre Cédric Villani sur le quai bondé de la station de métro Châtelet. Alors, partie D, donc déterminer l'étendue de cette série statistique. Donc ici, 7h40 moins 7h30, donc 10 minutes. Donc ici, l'étendue de cette série statistique est 10 minutes. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont vu Cédric Villani, interrogées, bien entendu, toutes les personnes interrogées, on l'a vu entre 7h30 et 7h40, et cet intervalle de temps est donc de 10 minutes. Alors, deuxième question, déterminer la moyenne de cette série statistique en prenant comme valeur de caractère le centre de chaque intervalle de temps. Donc ici, 7h30, 7h32, donc ici 7h31, 7h40,
33, 7h35, 7h37, 7h39. Alors on va mettre ça. Donc on va mettre ça en heures. Donc ça c'est heure minute. Donc on va les mettre en heures. Donc ici 7, 7, etc. etc. Donc ici 31 divisé par 60. 0, 51, 6. 51, 7, si on arrondit. 33 divisé par 60. 55. 35 divisé par 60. 58, 3. 58, 3. 37 divisé par 60. 61, 7. 61, 7. 39 divisé par 60, 65. Donc la moyenne, x bar, donc la moyenne ça va être 1 fois 7,517 plus 5 fois 7,55 plus 2 fois 7,583 plus 5 fois 7,617 plus 2 fois 7,65. Le tout divisé par 15. On calcule. 1 fois 717 plus 5 fois 7,55 plus 2 fois 7,583 plus 5 fois 7,65. 617 plus 2 fois 7,65. 65 divisé par 15, on va trouver 7,58, 78. 7,58, 119. En heure minute, 7 heures et donc 0,58, 79. Fois 60, 35 minutes et 0 fois 60, 16 secondes. Donc la moyenne, ça va être 7 heures, 35 minutes et 16 secondes. En prenant en compte que j'arrive après 7h35 à la station Châtelet, déterminer la probabilité que je rencontre Cédric Villani sur le quai Bondé de la station de métro Châtelet. Alors ici, on sait qu'il va, donc ici, donc on sait que Cédric Villani est présent entre 7h30 et 7h40 d'après le sondage, et nous, nous arrivons après 7h35. Donc 7h35. Donc, quelle est la probabilité que je rencontre Cédric Villani? Eh bien, la probabilité P que je rencontre Cédric Villani, c'est 40 moins 35, 40 moins 35, divisé par 40 moins 30, 5 divisé par 10, est égal à 1 demi. Donc, la probabilité que je rencontre Cédric Villani sur le quai Bondé est de 1 demi. Alors, on pourrait aussi penser à une autre modélisation, sachant qu'il arrive entre 7h30 et 7h40 au hasard. Donc, il va attendre un certain moment dans la station de métro, et ensuite il va prendre le métro suivant. Donc, par exemple, s'il attend entre 7h32 et 7h34, il va prendre le métro de 7h34, bien entendu. Donc, ici, on pourrait se dire quelle est la probabilité dans cette modélisation-là de rencontrer Cédric Villani. Et là, ce serait un peu plus difficile. Donc, question ouverte en exercice pour vous. Quelle est la probabilité de rencontre de Cédric Villani si j'arrive après 7h35, bien entendu. Et sachant que dès qu'il arrive dans la station de métro, il va prendre le métro qui arrive, donc à soit 7h32, 7h34, 7h36, 7h38 et 7h40. Partie E. Différentes entrées dans la station et dans la rame. La station Châtelet a trois entrées fictives. Comme indiqué sur la vidéo, il y a six wagons sur une rame de métro parisien.
La première entrée donne accès aux deux premiers wagons de tête, la deuxième entrée aux deux wagons au milieu, et la troisième entrée donne accès aux deux derniers wagons de queue. Question 1. On suppose que les wagons de rame sont numérotés de 1 à 6. Je prends un wagon au hasard et je note R, le numéro du wagon pris. Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire R? Question 2. Les entrées sont numérotées de 1 à 3. Je prends une des trois entrées au hasard et je note E, le numéro de l'entrée choisie. À chaque entrée, je pourrais prendre un des deux wagons, celui de gauche ou celui de droite. J'en prends un au hasard et je note F est égal à 0. Si je prends le wagon à droite de l'entrée, F est égal à 1 si je prends le wagon à gauche de l'entrée. Exprimer R en fonction des variables aléatoires E et F. Question 3. On suppose que Cédric Villani prend la même rame de métro que moi. Chaque wagon de rame du métro ligne 14 mesure 15 mètres et peut contenir au maximum 120 passagers. La position V de Cédric Villani dans la rame de métro suit une loi normale de moyenne μ est égal à 45 et d'écart type sigma est égal à 15. Question 3a. Calculer la probabilité que V soit compris entre 0 et 30, la probabilité que V soit compris entre 30 et 60, la probabilité que V est compris entre 60 et 90. Interprétez le résultat. Question 3b. Sachant que j'ai pris le troisième wagon et donc accès à l'entièreté de celui-ci, quelle est la probabilité que je rencontre Cédric Villani? Question 3c. Déterminer un réel C tel que la probabilité que V soit compris entre 45 moins C et 45 plus C est égale à 0,8. Alors, partie E. Donc ici, on suppose que les wagons de rame sont numérotés de 1 à 6, et je prends un wagon au hasard, donc R. R suit la loi uniforme, donc au hasard, donc on va prendre uniformément dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu comme si on jouait au dé en fait. R suit la loi uniforme de paramètres, l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite, les entrées sont numérotées de 1 à 3. Donc entrée 1, entrée 2, entrée 3. Et les donc F, 0 si on prend la rame, donc le wagon de droite, donc en entrant, donc ici, en entrant droite, donc en faisant face au quai, bien entendu. Donc ça c'est le. Ça c'est les rails. Donc ici c'est droite, ici c'est gauche. Donc 0,1, 0,1, 0,1. Donc droite, gauche, droite, gauche. Donc ici c'est dans ce sens-là, quand on regarde en direction des rails, on va à droite, donc dans notre sens, ou à gauche. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ici, R. Donc si là il y a le métro, voilà, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici le métro. Alors comment on va pouvoir modéliser R en fonction de E et F? Eh bien R, donc R est égal à, donc ici quand E égale à 1, F égale à 0, R est égal à 1. Quand E est égal à 1, F est égal à 1, R est égal à 2, etc. etc. Donc ici, on pourrait se dire, bah, il faudrait multiplier par 2E, 2 fois E. Donc ici, ça ferait, si on aurait 2, 4, 6, sauf qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on va mettre E moins 1. C'est-à-dire que quand E va être égal à 1, 2 fois E moins 1, ça va faire 0. Ensuite, on va ajouter F. On va ajouter F et on ajoute 1. Donc 2 fois E moins 1 plus F plus 1. Ou encore 2E moins 2 plus F plus 1. On a alors donc 2E plus F moins 1. 2E plus F moins 1. On peut vérifier.
2 fois 1, 2, plus 0, moins 1. 2 plus 1, 3, moins 1, 2, etc., etc. Donc R est égal bien à 2E plus F moins 1. Alors, loi normale. Donc ici, troisième question, loi normale. V suit la loi normale de paramètres 45, écart type 15. Alors, A, donc ici on peut le faire à la calculatrice, 0 et 30. P, entre 30 et 60. Alors ici, c'est 30, c'est 45 moins 15, 45 plus 15. Donc, mu moins sigma, mu plus sigma. Donc ici, c'est 0,68 à peu près. La probabilité que... Donc 60 inférieur à V, inférieur à 90. Ici, ces deux probabilités vont être égales, car on a une symétrie par normale. Donc 45, 15. Hop, donc entre 0 et 30, on va trouver 0,157. 0,157. Comme c'est égal ici, ça va être 0,157. On peut vérifier 60. 90, voilà, c'est la même chose. Ensuite, 30 et 60. 0,682. Donc, cette probabilité-là, elle doit être connue pour tous les élèves de terminale S. Mu moins sigma inférieur ou égal à V inférieur ou égal à mu plus sigma, eh bien, c'est 0,682. Question B. Sachant que j'ai pris le troisième wagon, donc si on fait une modélisation du wagon, enfin de la rame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant que chaque rame, enfin chaque wagon mesure 15 mètres, 15 mètres, donc là 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Question A. La probabilité que je rencontre Cédric Villani quand je entre dans la première entrée, qui me donne accès au wagon 1, 2, eh bien elle est de 0,157. Pareil, si j'entre dans la troisième entrée, 60, 90, 5, 6. Et donc la probabilité que j'entre dans la deuxième entrée et que je rencontre Cédric Villani va être de 0,682. Donc là, j'ai pris le troisième wagon, donc je suis entre 30 et 45. Donc il faut que je calcule la probabilité que V soit compris entre 30 et 45. 30 et 45, donc 0,34, donc 0,341. Alors maintenant, question C, un peu plus délicate. Déterminer un réel C tel que probabilité que 45 moins C inférieur ou égal à V inférieur ou égal à 45 plus C est égal à 0,8. Probabilité 45 moins C inférieur ou égal à V inférieur ou égal à 45 plus C égal à 0,8. Donc ici on va centrer et normaliser, la variable V. Donc ici on va centrer et normaliser V. Alors probabilité que 45 moins C moins 45 moins l'espérance divisé par l'écart type inférieur ou égal à V moins l'espérance divisé par l'écart type. 45 plus C, moins l'espérance divisé par l'écart type, va devoir être égal à 0,08. On note V moins 45 divisé par 15. Donc ça, ça va être égal à, on va noter ça, M. Et donc M suit la loi normale de paramètre 0, 1. Donc probabilité que 45 moins 45, 0, moins C sur 15, inférieur ou égal à M, inférieur ou égal à C sur 15, égal à 0,8. Ou encore, donc ça, c'est donc deux probabilités de M inférieur ou égal à C sur 15, moins 1, égal à 0,8.
probabilité M inférieure ou égale à C sur 15 est égale à 0,8 plus 1, 1,8 divisé par 2, 0,9. Donc on peut avoir C sur 15. Donc on règle en loi normale centrée réduite. Et donc ici on fait 0,9. C'est 1,2815. Donc C sur 15. C sur 15 égale à 1,2815. Et si et seulement si C est égal à 1,2815 fois 15, 19,22. Donc 19,22. Donc ici, probabilité de 45 moins C, ça va faire 25,78. Inférieur ou égal à V. Inférieur ou égal à. Donc 45 plus 19,22, ça va faire 64,22. On peut calculer ça. On calcule. Donc 25, alors ici ça va faire entre 25,78 et 64,22. Donc 0,799923. Donc à peu près 0,8. Et donc interprétation. On peut être. Donc ici, donc il faut être entre, donc à droite du wagon 2, wagon 3, wagon 4, et ensuite à gauche du wagon 5, pour avoir 80% de rencontrer Cédric Villani dans la rame du métro.